Voilà, donc en fait, vous pensez la même chose. Excusez-moi, ça a coupé, donc j'espère pouvoir recoller les deux vidéos parce que j'avais plus de stockage sur mon téléphone, excusez-moi. Donc on voit, vous voulez tous les deux la même chose. Vous voulez que votre amour grandisse de jour en jour, vous vous retrouvez et arrêtez d'être dans le froid. Hein. Alors, maintenant, ce que vous pourriez projeter ensemble. Alors, vous pensez à des nouveaux projets, un emménagement, voire des choses nouvelles dans votre vie. Hein. Vous souhaitez vraiment des choses maintenant que les choses bougent. Hein. Voilà, on parle de réconciliation. C'est une épreuve. Mais vous vous attirez tellement que on me dit c'est juste une relation qui est un peu instable actuellement et ça va terminer. Cette relation instable va se terminer. Vous allez passer l'épreuve parce que vous avez beaucoup, beaucoup de magnétisme et vous allez vous attirer de nouveau. Hein. Donc, il y aura une réconciliation dans votre couple. Donc, pour votre autre, alors on parle que lui, il a pris en maturité, il retrouve les énergies masculines de force et de courage, de virilité. Il a envie de fonder peut-être une famille. On voit qu'il a envie de se retrouver en tant qu'homme. Il a envie de bonheur, de joie, passer cette crise, que les choses se remettent en place petit à petit et vraiment de retrouver sa place. Hein. Voilà, on me dit qu'il y aura des messages qui seront échangés. Hein, et on me parle aussi que vous allez parler vraiment en sincérité. L'amitié dans ce tirage, ça montre bien que... quelque part, vous allez vous parler cœur à cœur, vous allez plus avoir de secret l'un pour l'autre, vous allez vous avouer vos sentiments et puis être vraiment des piliers l'un pour l'autre également. Hein. Pour moi, l'amitié dans une relation amoureuse, pour moi, c'est très important. Hein. Alors, on va demander maintenant la finalité de votre couple. Alors, on parle de la superficialité, c'est le succès maintenant. Vous êtes en attente. Vous avez fait preuve de bon raisonnement et de sagesse, mais les masques vont tomber. Maintenant, il va falloir arrêter d'être dans la superficialité, vouloir l'engagement. Tous les espoirs sont permis, on me dit. Hein. Donc, vous êtes en attente vraiment de se lâcher prise, de bon raisonnement, et puis que, voilà, que votre autre devienne beaucoup plus mature, que votre relation se sécurise. Hein. On voit les masques qui tombent, et vraiment quelque chose en sécurité. Vous voyez, comme un papa qui protège son foyer un peu, hein. Voilà, par rapport à cet homme rival, on me dit, c'est votre âme sœur, donc maintenant vous allez lâcher prise sur la méfiance et on me dit, voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, tout simplement. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Alors on va demander quand même aux anges de l'amour de nous donner une petite carte ou deux petites cartes, on va voir, hein. Oh, c'est mélangé. Alors, voilà, on parle d'attraction, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Hein. Donc c'est ça en fait, hein. Il faut lâcher prise sur le passé et puis vous dire les choses et puis en même temps arrêter de ressasser le passé et aller de l'avant, hein. Voilà, on me dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Donc, c'est vraiment arrêter avec le glaçon, hein, dégeler la situation, vous parler cœur à cœur et vous dire tous vos secrets, enfin tout ce que vous ressentez et vraiment laisser agir la magie de l'amour. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour. Prenez soin de vous-même aussi, hein, faut aussi prendre soin de soi et puis ouvrez vraiment votre chakra aussi du cœur, hein, pour pouvoir vraiment comprendre ce que vous ressentez. Voilà, je vous embrasse, au revoir.